messieurs les ambassadeurs, nous vous remercions de l'intérêt que vous avez bien voulu accorder à cet événement. Comme on le dit, c'est le lancement, c'est la base. Le bébé est né aujourd'hui avec votre bénédiction. Et nous sommes convaincus que ce bébé grandira parce qu'il y a beaucoup de mains qui veulent porter ce bébé. Il y a beaucoup de personnes qui veulent acheter des pampers. Il y a beaucoup de personnes qui veulent acheter des poudres, des habits pour ce bébé. Donc, je ne pourrai pas être long, mais chaque année, il y aura les colloques. Pendant ce moment, il y a des thèmes qui vont se développer. Il y aura des expositions et il y aura 9 heures ou 12 heures de spectacle, de musique live pour la promotion des artistes guinéens. Donc, nous voulons donc utiliser la plateforme de la culture pour améliorer ou contribuer à la promotion de l'image de marque de notre pays. Ainsi donc, le comité que nous sommes, que je représente, je voudrais sincèrement dire merci. Merci à chacun. Merci donc pour la naissance de ce projet dans la capitale européenne. Je vous remercie. Bien, Excellences, Monsieur l'Ambassadeur, Messieurs les directeurs nationaux, Monsieur Olomou, qui a eu l'idée d'organiser cette journée, Mesdames et Messieurs les membres du personnel de l'ambassade, chers compatriotes, vous qui avez fait tout le déplacement, mon colonel, chers amis, chers frères, chères sœurs, numéro un, c'est vraiment au nom de toute la communauté, vous dire grand merci. M. Olomou et toute votre équipe pour avoir eu cette idée. Vous savez, quand on a une idée, elle naît, ça devient un bébé, comme vous l'avez dit, et il faut que le bébé pousse. Mais souvent, celui qui a eu l'idée, s'il ne fait pas attention, il est l'inventeur de l'événement, mais d'autres vont après lui voler son idée. Ça arrive souvent. C'est comme dans les sciences, quand vous faites la recherche scientifique, vous découvrez de nouvelles substances en chimie, en physique ou dans la médecine. Si vous ne publiez pas très tôt, d'autres vont le faire et prendre votre invention. Alors, je crois que cette invention, on ne peut plus vous la prendre. C'est vous, le label est à vous. Nous vous félicitons pour l'idée, nous vous remercions d'avoir choisi Bruxelles. Vous aurez pu faire à Paris, parce que tout se fait à Paris. Mais Béa a été très convaincant et vous a dit, pas toujours Paris, il faut venir à Bruxelles. Il nous a trouvé cette magnifique salle, donc vraiment merci d'avoir choisi Bruxelles. Vivre la Guinée à Bruxelles est un slogan, nous voulons le transformer en acte concret. L'ambassadeur le disait tout à l'heure, nous allons voir comment est-ce qu'il faut impliquer les Guinéens de Belgique, les Guinéens de Luxembourg, les Guinéens de la Hollande, pour que le Benelux soit systématiquement représenté dans cette offensive que la Guinée est en train de faire vers le reste du monde. Nous n'avons pas que des richesses à exposer, nous avons aussi des compétences, nous avons des alliances à former. Ceci appartient aux Guinéens, tels que l'équipe de M. Koulemou qui vient de se présenter ici en Belgique, de pouvoir faire prospérer et évoluer dans le cadre de l'avancement et dans le cadre des idéaux de notre cher président, le président Alpha Condé. Merci beaucoup. Je vous remercie. Vraiment, merci beaucoup Claudie, c'est toi que je remercie parce que vous l'avez intitulé « Vivre la Guinée ». Nous disons les 24 heures de Guinée et partout où il y a la Guinée, on parle de Guinée. Le modeste directeur général de l'ONT se doit d'être présent et surtout lorsque l'initiative vient de quelqu'un comme toi, je préfère te tutoyer parce que tu es un ami de longue date. Et aujourd'hui, ça a été un succès magnifique avec les Guinéens de toutes les tendances et de toutes les obédiences ici. Et comme l'ambassadeur l'a dit, il faudrait que ça soit un truc en synergie pour que nous l'étendons au pays de Benelux. Donc, tu as tous mes encouragements et félicitations. Merci beaucoup. Merci. Je suis entièrement satisfaite et émue par l'initiative issu de M. Alfred envers la jeunesse pour changer l'image de notre pays. Et j'inviterai la jeunesse à ce qu'elle s'implique plus que
dans le développement de notre pays, pour le changement de l'image de notre pays, que dans la politique. Parce que nous, nous sommes maintenant au crépuscule de notre vie. Nous n'avons plus que des souvenirs. C'est la jeunesse, l'avenir vous appartient. On dit bien que le nombre d'années ne fait pas la valeur de l'âme. Donc, je vous encourage. L'esprit d'entreprise est là déjà. Parce que l'esprit d'entreprise, c'est la confiance en soi, la persistance, la connaissance du milieu et les priorités. Je vous encourage, je vous félicite. Je suis à votre disposition parce qu'on dit bien que ce sont les vieilles marmites qui font de très bonnes choses. Mais je trouve que c'est une belle initiative. On n'avait pas beaucoup de monde, mais on avait vraiment un panel très riche. Et donc ce qui est sorti ici est vraiment extraordinaire, va nous permettre effectivement de pouvoir mettre un grand événement pour la prochaine fois, c'est-à-dire pour 2016. À côté de ça, j'espère dans une plus grande salle aussi, à mettre à disposition à XL toujours, à la capitale européenne. Et je trouve vraiment que la belle initiative qui a été prise aujourd'hui, qui est un premier pas vers justement vivre la Guinée à Bruxelles, en Europe, ben c'est un pas extraordinaire. Merci beaucoup. Merci à toi. Moi je pense que c'est une initiative extraordinaire que vous avez prise, salutaire, pourquoi ? Et donc je suis particulièrement ravi que monsieur le député Echevin Béa Diallo l'ait soutenu vivement, car votre pays sort quand même d'une crise terrible, dont on a parlé dans le monde entier, hein, concernant la crise sanitaire et médicale liée au virus Ebola. Et au final c'est un pays très peu connu, quoi, j'ai envie de dire. Et donc, et c'est un pays qui mérite vraiment d'être connu et reconnu pour toutes ses richesses. La Guinée, c'est pas seulement l'image que les médias chez nous en Europe véhiculent de manière générale par rapport à l'Afrique. C'est la Guinée, c'est le sourire, c'est la vie, c'est la jeunesse, l'enthousiasme, la créativité, le dynamisme. Et je pense que et la richesse culturelle, c'est extraordinaire, la richesse culturelle du peuple guinéen. Et donc voilà, moi je pense que c'était vraiment une première édition qui doit amener une deuxième édition encore plus riche en participation, en interactivité. Et donc moi, mes impressions sont qu'on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie, celle qui consiste à faire connaître la Guinée. Vous savez que le Guinéen, c'est la deuxième immigration subsaharienne en Belgique, après les Congolais. Et à mon avis, elle deviendra peut-être un jour même la première immigration subsaharienne, je l'espère, Inch'Allah. Donc, je pense qu'on doit apprendre à mieux connaître les Guinéens. Ils sont fortement présents ici. On a un fantastique représentant du peuple de la Guinée à travers Monsieur Diallo, mais c'est aussi des artistes, c'est des intellectuels, etc., etc. Donc voilà, enthousiaste, j'ai pas d'autres mots. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Tout d'abord, merci, mille merci d'avoir l'initiative vraiment d'organiser une journée comme ça à Bruxelles pour une première fois et de m'avoir aussi convié vraiment à cet événement. On a fait le déplacement avec les collègues et l'artiste du peuple guinéen, Abraham Santi. Voilà, franchement, pour une première, moi, je trouve que c'est très bien parce qu'il y avait toutes les personnalités de tous les bords. Et puis bon, avec des échanges qui ont eu culturellement, des idées sur, c'est-à-dire le développement en Guinée, ainsi de suite, je pense qu'il faut continuer à mobiliser toute la communauté guinéenne d'Europe et aussi les autres communautés, enfin, c'est-à-dire qu'on puisse apporter à notre pays un développement réel, quoi. Donc c'est, pour une première, c'est très bien. Je trouve que c'est très bien et c'est bien organisé. Je suis très heureux d'être là, quoi. Merci tout simplement. Ouais. Alors, quand il s'agit de la Guinée, je pense que c'est l'appel de la nation, c'est le cœur qui doit s'exprimer. Et quand le cœur s'exprime, on doit le faire sans compter et sans même attendre quelque chose en contrepartie, et surtout que ça te concerne, tu connais nos relations. Et c'est important que tu puisses poser les jalons de ce qui, à mon avis, sera un très grand événement, qui pourra même, hein, je te connaissant, je sais que derrière tu as l'idée de vivre la Guinée à Paris, vivre la Guinée, je te connaissant. Et donc c'est important que tu aies réussi à poser les jalons, que sur le plan institutionnel, l'ambassadeur et qu'il y ait des autorités, notamment le directeur national de l'Office national du tourisme et qu'il y ait la communauté guinéenne qui soit présente. C'est important de donner cet aspect institutionnel. Maintenant, l'événement existe.
c'est à toi, à nous autres, à la Guinée, aux Guinéens, de faire de telle sorte que ce soit un événement dont on parlera dans les 10 prochaines années et que ce soit un socle, que ce soit un événement qui non seulement va raffermir les liens entre les Guinéens, mais qui va permettre aussi aux non-Guinéens, aux Belges notamment, aux Hollandais, aux Français, aux Américains, de connaître la Guinée de plus près en attendant d'y aller, si tel n'est pas encore le cas, pour justement investir et voir comment contribuer au développement du pays. Et c'est en ça que je suis très content et bravo pour la première édition. Et j'espère que la prochaine, lors des prochaines, tu auras le soutien nécessaire et que les promesses seront tenues. C'est une première. Comme je le disais tantôt, lors des premiers travaux de ce colloque, c'est une initiative à encourager. Car parler de la Guinée, c'est un plaisir et c'est même une source de fierté. Car notre pays, la Guinée, vient de loin. Il faut des initiatives comme ça pour que la diaspora guinéenne sache qu'elle a une obligation. Elle a un devoir à faire, c'est de venir donner cette expérience qu'elle a acquise à travers les âges, les expériences qu'elle a déjà acquises pour venir au pays, participer au développement socio-économique du pays. C'est une très bonne chose. On ne peut que vous féliciter, vous encourager pour faire mieux pour l'année prochaine, pour qu'il y ait beaucoup d'autres composantes dans cette activité, à part le volet colloque et peut-être l'exposition, qu'il y ait aussi des défilés de mode, des séances de dégustation, peut-être même un forum économique où on mettra face à face les opérateurs économiques guinéens et les opérateurs économiques belges et européens. Donc je ne peux que vous remercier, prier Dieu que les moyens soient réunis pour organiser vraiment la prochaine édition. De très bonnes auspices. Donc je vous félicite, j'ai été très heureux de participer à cette activité. Je suis très émue et très enchantée de cet événement, l'initiative de M. Alfred, qui est le cofondateur de cet événement aujourd'hui ici à Bruxelles. Franchement, c'est salutaire. Voilà. Nous sommes les jeunes ressortissants ici en Belgique. Je vis ici depuis 22 ans. Je suis diplômée en comptabilité, audit, gestion, voilà. Et je travaille, j'ai cette chance de travailler. Mais cette initiative permettra aux jeunes ressortissants guinéens ici en Belgique de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se rencontrer, de faire des colloques, de faire toute une rencontre et éventuellement rencontrer aussi les autorités guinéennes et profiter de cela pour pouvoir aussi faire des projets, rentrer en Guinée et aller faire quelque chose pour son pays. Voilà. Et mis à part cela, l'ambassadeur présent ici ce matin, c'est une bonne chose aussi parce que je viens de voir un exemple d'un jeune étudiant guinéen ici à l'ULB qui collabore avec le ministre du Tourisme. C'est une très bonne chose. Et si les autres ministres aussi pouvaient faire la même chose pour les autres étudiants, pour les autres diplômés qui ont aussi fini leurs études dans le secteur bancaire, dans le secteur d'industrie, d'énergie, ce serait une très bonne chose pour nous. Voilà, donc alors M. Alfred, je suis très 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 content d'être ici présente ce soir et je vous remercie. Oh, no, no.
cette initiative, cette première, on l'a conçue avec beaucoup de joie et on se dit très confiant pour les années à venir. L'année prochaine, je m'investirai plus parce que cette fois-ci, on a été pris de court. Donc l'année prochaine, je m'investirai plus aux côtés de mes frères, aux côtés de mon beau-frère, M. Olemou, aux côtés de tous les représentants guinéens ici, pour que ce soit encore et plus une réussite. C'est vraiment une réussite éclatante. Et nous pensons avec ce début, on ira loin. Et que l'année prochaine, le bébé qui vient de naître aura grandi. D'abord, c'est un grand remerciement à M. Alfred Olemou d'avoir l'initiative de rassembler la Guinée, vive la Guinée à Bruxelles, Benelux, capitale de l'Europe. Je dirais que c'est un grand succès parce que la Guinée s'est retrouvée aujourd'hui depuis tant d'années. On a échangé pas mal de volets pour l'avancement de notre patrie qui nous chère tous, la République de Guinée. On a échangé sur le parti économique, volet social, insertion, développement de notre pays. C'est une réussite. Premier coup, on dit d'abord, il faut d'abord essayer de présenter l'acte positif par rapport à un premier événement. Donc on dit que c'est vraiment un grand pas avec tous les monsieur l'ambassadeur qui s'est déplacé, monsieur Beya Diallo. Vous avez vu beaucoup de personnalités aussi qui sont venues de la Guinée. On était fiers d'être guinéens aujourd'hui à Bruxelles. À tout seigneur, à tout honneur, laissez-moi d'abord de vous rendre un véritable hommage pour cette belle initiative. Vous savez, ce pays est en train de changer sous la direction du professeur Alpha Condé. À l'intérieur, les débats continuent, mais il faudrait venir aussi partager les réformes menées depuis 5 ans par le professeur Alpha Condé avec nos compatriotes qui vivent ici. Et cette image, nous devons la partager, discuter avec les sujets très intéressants, sans tabou. Parce que tout ce que le professeur fait, c'est pour à la fois les Guinéens de l'intérieur et les Guinéens de l'extérieur. Donc, organiser un tel événement, nous pouvons que nous en réjouir. Il faudrait que nous venions aussi pour discuter et partager les expériences vécues sur le terrain guinéen. Merci, M. Alfred, d'avoir l'initiative. Vous savez, ce qui dépasse les hommes les uns des autres, c'est l'initiative. C'est pouvoir penser, pouvoir exécuter, se mettre sur un projet et le piloter jusqu'au bout. Aujourd'hui, on est à des milliers de kilomètres de notre pays et aujourd'hui, on n'a parlé que de la Guinée. Pour nous, c'est une façon d'attirer, comme on le dit souvent, sur la scène, vous avez beaucoup de pays, comment attirer le projecteur sur la partie de l'Afrique qu'on appelle la Guinée, principalement la Guinée-Conakry. Alors pour moi, c'est une joie. Et cette joie, elle est immense. Que quand je vois toutes ces personnalités, tous ces hommes qui ont fait le déplacement, habitant en Europe, et ceux de la Guinée, pour venir encourager. Et mon souhait le plus ardent, que ça soit soutenu, et que ça ne soit pas la première. Pourquoi ? Qui parle de la Guinée, on parle d'un bien commun. Et ce bien commun, il est à protéger et à sauvegarder. Aujourd'hui, les acquis de la Guinée, les acquis de la Troisième République, les acquis que le mouvement CRAC défend aujourd'hui, c'est une réalité. On ne demande pas de ne pas croire, mais on demande à tout un chacun d'ouvrir les yeux et de regarder. Et en regardant, on voit réellement ce que nous défendons. Et je vous dis merci une fois de plus et merci à tous ceux, à toutes celles qui ont fait le déplacement pour venir donner un éclat salutaire, un éclat radieux à cette journée culturelle guinéenne. On doit saluer l'idée là. C'est pour la culture, c'est pour la Guinée, c'est pour Abraham Sonti, c'est pour tout le monde. Et je ne peux pas rester indifférent sans venir. C'est ça mon problème aujourd'hui. Quand on parle de la Guinée, il faut que tous les Guinéens soient fiers d'être Guinéens. Avant tout d'abord, la Guinée, avant tout. Il faut qu'on mette la Guinée devant. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on dit quand on dit la Guinée, c'est ça notre fierté d'abord. Rouge, jaune, vert. C'est à cause de ça que je me suis déplacé pour venir.
Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Et je salue tout le monde à Conakry, Guinée-Conakry. Salam alaikum. Jamana banika Miriani wae momina oke 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 jamana banika Baralo e momina oke fatina la botina Ambisio e momina